Lors de l'arrivée de la saison 4, un ancien pompe a fait son retour. Je parle de celui que j'adore, le pompe à charge. Il est disponible en mythique et est trouvable uniquement dans les gros coffres-forts qui sont contestés par toute la map. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va tout donner pour le trouver et le récupérer. Je pense que je suis l'un des seuls youtubeurs à en faire la propagande depuis des années et à dire à quel point je l'aime, à quel point il est incroyable. Alors là, ça y est, on va pouvoir écrire une nouvelle page de notre histoire d'amour. Bizarre un peu. Ouais, il est bizarre, ouais. Pendant que la game se lance, pensez bien aller dans la boutique d'objets. Vous cliquez sur soutenir un créateur et là vous écrivez Waz ZZ et vous mettez accepter, et si c'est écrit ça, ça veut dire que c'est bon. Sur ce, on est parti. Au niveau du spawn, on a trois possibilités: soit on va ici, soit à Sanguine Suites, ou soit à Relentless Retreats. Je pense qu'on va aller au dernier endroit. Je vous le dis, trouver le pompe mythique ne sera pas de tout repos pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout le monde veut aller dans les coffres forts, donc c'est énormément contest, il faut vraiment bien savoir se battre et tout. Et la deuxième, c'est que le choix des armes est aléatoire, ça veut dire que je suis pas sûr de l'avoir. On va retester le spawn de la dernière vidéo, on va aller juste là, il y a trois petits coffres et puis on va backstab la ville. Hop, ils sont juste ici à aller picher du bon loot. Non, c'est pas fou. On se met vite fait les mini, je vais pouvoir monter full shield. Le monteur, t'as vu ce que j'ai dans mon stuff, hein? Non. Là, on est en septembre, j'ai le droit. Ok, alors là, vu que ça fait longtemps, j'extermine la grosse. C'est tellement pas cool, frère. Let's go. Je vous jure, j'ai la pression là, j'ai vraiment pas envie de rater. Voilà, c'est dans cette ville que je vais aller. Y a un mec là, y a un autre là, touché une fois aussi, crac. Oh, je l'ai bien mis lui. Mort. Je suis en train de faire un carnage à longue distance. On va aller vite fait le looter. C'est bon, là on est bien. Alors où est le coffre fort dans cette ville? Là déjà il y a un bot. Oui, je tue tes frères, Dio. Ah, c'est marrant ça, on rigole bien. Ah, ça a l'air d'être par ici. Faut bien que je fasse gaffe. Ah, il y a une barrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire que les armes ont été prises. Ah. Oh non. Crac. Non. Oh oh, j'ai raté ma balle. Crac. 72 blancs. Non ! Il avait un HP pile ! C'est pas grave, on repart tout de suite. De retour au même endroit, cette fois il y a que deux coffres. Ok, il me faudrait du shield, ça va, j'en ai une. En fait, ce qui est fort avec cette technique de backstab, c'est que je vais arriver sur eux avec du shield et déconstruire, ce que eux en général n'auront pas. Y'a un mec qui est pas loin de moi. Où est-ce qu'il est ? Là ! Presque crack, il est là. Wesh, il veut pas arrêter de cavaler là ? Non, il s'est barré ! C'est pas grave, je vais pas le lâcher, j'arrive. Vas-y, viens ici là ! Voilà. Wassim Salamé, je sais pas. Retourne dans Pokémon. Bah, c'est nul. Ce qui est cool, c'est qu'il me donne du reshield et aussi une PM en or. Ça, c'est cool. Maintenant, je vais me dépêcher d'aller au coffre-fort. Celui-ci, il est pour moi, ça y est. Ils doivent se tabasser la gueule là en dessous. Où est-ce qu'ils sont? Là, j'ai une arme mythique déjà. Oh oh. Il est boxé? Oh damn. Un HP? Mort! Faut vite que je me soigne maintenant. J'espère que personne d'autre va venir là. Et à la carte, il y a des bandages. Hop, on bande un peu. Les gars, je vous le jure, là, je suis ultra stressé. Hop, allez, maintenant il faut aller là-bas. Je saute, je passe accroupi. J'ai tout bien barricadé. Je rentre dans mon premier coffre, les gars, je fais ma première fois avec vous. C'est un truc de ouf. Hop, wow. Oh non, y a pas le pompe à charge. Merde, c'est une blague. Oh, comment je suis dépité. Hop, on prend quand même le space 12 violet. Et qu'est-ce que je vais prendre là-dedans? Qu'est-ce qui me semble mieux? Vas-y, bah ça, hein. Bam. Elle est à moi. Et maintenant, je me taille. C'est parti. Y a l'alarme qui est en train de crier dans toute la map. Comment je sors d'ici, moi? Ok, c'est l'heure d'être par ici. On va vite fait se mettre le kit de soins quand même. Bon, sinon, c'est pas le pompe à charge, hein. Moi, je veux juste l'avoir dans les mains au moins une fois. Petit coup de roquette. Incroyable ce truc. Au niveau des autres coffres, lui n'a pas été ouvert. C'est à 1900 mètres, on va y aller. Là, le gros avantage que j'ai par rapport aux autres coffres, c'est que moi j'ai déjà des bonnes armes. Donc en soi, je pourrais facilement les tuer. C'est en train de se fighter devant moi. Hop, il est quasi crack. Je vais sauter dessus. Mort. Incroyable. Du coup là j'ai des bleuvages légendaires, ok. J'ai aussi la carte d'accès à la tour météo. Oh non, vas-y, je m'en fous de ça. J'adore cette saison, elle est juste incroyable. Le coffre de Sanguine a été ouvert. Du coup là, si jamais je veux récupérer mon petit pompe chéri, je dois tuer quelqu'un qui l'aurait potentiellement ramassé. On va tout donner hein, si pas c'est pas grave, ce sera dans la prochaine game. En attendant, j'ai bien envie de tester la PM en mythique, elle a l'air incroyable. Faudrait que je croise quelqu'un. On est plus que 11 sur l'île. Et je parle pas d'un ville de l'île hein, parce que là-bas il y a plus d'habitants quand même. Là ici y a eu un gros fight. Et bah, y a personne. Ah, si, par pitié, dis-moi qu'il y a bien quelqu'un qui a ramassé le pompe à charge de kit. Je veux juste l'avoir en main, entendre son petit bruit. Il y a l'île qui va spawn, je sais pas du tout, il y a quelle arme là-haut. Allez, je monte, pitié, pas de laser. Regardez, il est là. J'ai 26. Wesh. Ah. Ah. J'ai 4 HP. Oh oh, faut vite que je fasse des extens. Les HP, je suis en train de régène. 113. Mort. Eh ouais, ça dégage, mon gars. Y'a un mec là-bas, il m'a shoot. Attends, toi, j'arrive. Avec les armes que j'ai, on va voir si tu vas faire le malin. Aïe. Ah, même il y a un timing de fou, je l'ai même pas vu.
C'est bon, les minis sont passés. Heureusement, c'est que c'est un gros flexeur. Oh damn! Touché. Par contre, j'ai 7 HP. Ok, je me taille. Ouais! Wouhou! Faut vite que je mange des champignons. Là, il y a un petit feu de camp, ça va pouvoir me soigner mes petits HP. Parfait. 5 joueurs en vie. Et toujours pas de pompe à charge. Ah, mais y a un mec là! C'est le mec de tout à l'heure! Hey, il doit avoir perdu beaucoup d'HP en vrai. Hein. 33. Boxé. Ok, je reprends la hauteur. Et maintenant, petite répulsive. On va l'attendre et le spam, les gars. Ça y est, ça fait 3 semaines je me fight avec ce mec et y'a un autre gars là. Oh, mais j'en peux plus. Y'a un tracker sur mon visage ou bien. Aïe. Non. Il avait 0 kill, ce loser. La mission reste la même. Trouver mon précieux. Pour ça, on va changer de spawn. Là-bas aussi, il y a un coffre-fort. Regardez, c'est une magnifique villa. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Comme la dernière fois, on atterrit juste ici. On va looter toutes les petites îles et puis backstab. Sbire du croupier a éliminé anonyme. Et bah alors, Dieu le monteur, t'as voulu venir dans ma game? T'es mort par un bot, loser. Non, mais tu vas la fermer ta gueule. Voilà, maintenant, on peut y aller. Wouhou. Première chose qu'on fait, on arrive, on casse la cam. Ensuite, on ouvre la porte. On casse cette cam. Là, Joe, je te dis, je fais le mec, mais je sais pas du tout où est le coffre-fort. Oh oh, se passe violet. Là, cette icône, ça veut dire qu'on peut le casser avec un coup de bélier. Alors on va y aller. Wouhou. On casse vite la tourelle ici. Je crois que je suis dans le coffre-fort là en fait. Je suis en train de prévenir tout le monde, il y a l'alarme. Comment je fais pour y aller? Je pensais que je peux y aller comme ça. Oui. Ok, alors là déjà, il y a une arme mythique. Mais elle m'intéresse pas celle-là. Ici par contre, ça se tabasse la gueule. Je vais y aller en mode ramasse-miettes. Mort. Allez hop là. Merci à vous d'être venus les amis. Il avait du coup le space 12. La gourde du brave mythique. Comment ça va le venteur? Tu te sens bien là? Rien à foutre. Hop là. Attendez, mais du coup ça veut dire qu'en fait il a déjà choisi l'arme mythique et il a pris la gourde du brave. Non. Mon pompe à charge. Ah, j'ai le démon, ça veut dire que je l'aurai pas là. Oh, c'est trop grave, il est trop dur à avoir. Voilà, je suis remonté. Et maintenant on se taille. Oh oh, il y a une grosse baston là-bas. Faut que je lui casse la gueule. Il veut se taper la grosse celui-là. Et il se la tapera pas, ou alors pas ici. Attendez, on est d'accord là. J'ai une gourde du brave mythique. Ça veut dire que soit elle régène plus vite, ou soit je l'ai à l'infini. Je vais me la claquer pour 48 HP là. On va voir si elle revient. Ah, mais attendez, non, non. Je me tape la gourde. Et je t'assure, si je t'attrape, toi, tu vas prendre un espèce de coup de boule dans ta gueule. Ouais. Et non. Parce que j'explose la gourde. Sérieux, toi? Oh, je fais le mec, mais il y a la zone qui arrive. Pitié, dis-moi qu'elle disparaît pas. Non, c'est bon. Elle a juste un reload de 1 minute. Parfait. J'aimerais bien enchaîner un petit peu les kills quand même. J'ai un space en or. C'est pas tous les jours que ça arrive. Où est-ce qu'on pourrait aller pour trouver du monde? J'en vois un sur la tyrolienne. Regardez, il est là-bas. Ah, oh oh. Pitié, dis-moi qu'elle passe. C'est ça le problème. Ah, claqué au sol. Mais non, mais ça se fait pas. La gourde aussi, elle prend 15 secondes. Il joue trop mal. Il choisit une gourde dans la box des armes mythiques. Oh. Eh, j'abandonne pas. Ok les gars, c'est bon. Là je vous le dis, j'ai jamais été si proche de l'avoir. Hop, je m'approche du coffre. On va entrer là-dedans. Ah, il était là. Ok, j'ai la carte d'accès. Faut vite que j'y aille. Hop, on saute, on s'accroupit, on la met. Allez, dites-moi qu'il y aura le pompe à charge là-dedans, s'il vous plaît. Non. L'arc ou la PM. Il y a tout sauf ce que je recherche à chaque fois. J'en peux plus. Je vous jure là, j'ai envie de rien prendre limite. Vas-y, bah je vais reprendre ça. Ah! Et je suis mort. Cette fois c'est la bonne. Les armes qu'on me proposait, ça m'intéressait pas. Alors on part à la conquête d'un nouveau coffre. Peut-être que cette ville, ce sera la bonne hein. On atterrit ici, on ramasse le truc. Là on met un coup là-dedans. Hop, voilà, faut juste reculer. Là il y a un coffre qu'on doit ramasser. Parfois on a des mini. Ça c'est une strat pour accéder au coffre fort beaucoup plus rapidement. Mais bon, je pense que vous la connaissez tous maintenant. Salut. Mort. Un HP. Et il est mort aussi. Par contre, il y en a un qui tue le boss là à côté. Ah. Touché. Faut que je me taille. Et je suis mort. Mais j'en peux plus. On recommence, allez. Le maître mot de la vidéo, c'est persévérance. On va refaire exactement la même chose. Hop, on casse la caméra. On prend le petit coffre. On a du C4. Bam, on casse ça. Maintenant, on va passer ici. Voilà, discrètement. Parfait, on a encore une grosse. On va réussir, c'est sûr. C'est en train de se battre de ouf ici. Regardez, c'est juste là. Perfect. Mort. Il y en a encore un qui est passé en roquette bélier. Calmez-vous les gars. Faut pas qu'il me voit hein. Je suis pas là hein. Ok, si je suis là en fait. Voilà. Et il y a un mec là. Oh damn. Mort. Ok, nickel. Je ramassais ça. Non. Mort. Oui les gars, on va le faire. Par pitié, dis-moi qu'il n'y a plus personne dans la ville là. Si par contre j'ai fait tout ça et qu'il n'y a pas le pompe à charge, j'arrête tout, ça y est. C'est juste que le destin l'aura pas voulu. Regarde, je vais bien construire comme ça partout. Voilà, ça c'est pas le pompe à charge. Il me reste 2 chances. Ça c'est pas le pompe à charge. Dis-moi qu'il est à droite. Non. Mais je m'en fous.
fous de cette arme? Mais je sais même plus quoi dire, sérieusement. Les gars, je demande qu'une arme et ça me donne des trucs de merde. Genre le pistolet laser de Gig et Shoppy, c'est nul en mode construction. Je sais même pas ce que je dois dire, ce que je dois en penser. J'ai qu'une envie, c'est de quitter la partie là. Comment garder la foi après tout ça? Ça fait 2 heures que je le cherche. Bam! On va quand même prendre la gourde. On se taille de la ville. Est-ce que les autres coffres-forts ont été ouverts? Celui de Rentless, oui. Et celui de Sanguine aussi. On va prendre la voiture de Pete. On va courir vers Rentless. Faut que j'arrive à choper le mec qui a pris l'arme. Hein. Ça y est, j'ai perdu foi de le trouver moi-même dans un coffre. Il faut plutôt que j'espère que quelqu'un l'ait pris et que je le massacre. Dès que je vends un mec, je l'arrache. Hein. Oh, genre lui là. Un HP. C'est un bot ça. Oh là là, mais c'est même pas drôle. Regardez, je fais un Shifumi devant lui. Tu dégages! Il n'avait pas d'arme mythique celui-là. Un autre problème aussi, c'est qu'en vrai de vrai, le pompe à charge, il est pas trop apprécié par la commune. Donc même si des joueurs l'ont, il y a de fortes chances qu'ils ne le ramassent pas. Et ça, c'est dommage. Et du coup, ouais, le mec s'est bel et bien taillé avec le stuff. Par contre, il a laissé une arme mythique. Ça y est, là, dans tous les cas, c'est ma dernière game. C'est soit on finit la vidéo déçu, ou soit on le trouve d'ici la fin de partie et ça sauve un peu les meubles. Je suis toujours à la recherche de joueurs à tuer, je sais pas où aller. Là, je suis à Mega City, mais regardez mes FPS, j'ai quasiment rien. Cette ville, c'est un fléau, hein. Ils doivent la supprimer. On va aller voir par là s'il y a pas un petit banc blard qui traîne. Et voilà, il va faire le bot à juste cavaler. Ah mais regardez-le, il sait même pas conduire. Oh oh. Ah, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est trop fort le Rocket Bélé en fait. Passons à regarder dans son loot. Il avait pas ce qu'on cherchait. Retourne au salon, oui. Bon, et bien malheureusement, après plusieurs heures de recherche, on n'aura pas réussi à mettre la main sur le fameux pompe à charge mythique que je voulais tant. Je suis grave déçu les gars, mais c'est pas grave. Au moins vous avez vu les galères que j'ai eues. Ce sera peut-être pour la prochaine vidéo, du moins je l'espère. Si vous avez quand même kiffé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si jamais vous êtes nouveau. Moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao.